sort of land on Mars and you see this object marching towards you on four legs with a couple of big lenses on the front and a hole at the front opening and shutting with sharp things around it, you think, gosh, that's alive. Essentially because it would seem to have organs like legs and eyes and teeth and so on, ensuring its survival. But then you might say, well, maybe it isn't alive, maybe it's been made by somebody. It's either alive or it's an artifact. It's living or not? I don't think I can, no. I what do you mean to say it's living? Well, I need more than spatial structures. I mean, to say something's living means, in the most basic sense, that it can evolve by natural selection and adapt to its environment over time. Thing is alive if it has the properties that enable it to evolve adaptation. And those are just very simple. It's got to be able to multiply. One organism must give rise to two and two to four and so on. It's got to vary. They mustn't all be alike. And both those are pretty easy. You can do that. You can invent things that multiply and vary easily in the test tube. The hard one is heredity. Likeness beget like. If you have A's and B's and C's, then when the A's reproduce, they must produce A's, and the B's must produce B's, and the C's must produce C's, at least most of the time. Oui, mais pourquoi? Pourquoi tout le monde veut ça? Pourquoi tout le monde veut se reproduire? Bah parce que tout le monde a été fabriqué par des gènes et que les gènes ont été sélectionnés pour faire des individus qui les reproduisent bien. Et donc les individus sont le produit de la sélection naturelle sur leurs gènes. Et donc les gènes les programment pour se reproduire, pour les reproduire. Hein. C'est intéressant, on emploie toujours des expressions toutes faites qui sont des espèces de tricheries. Un biologiste dit couramment qu'un individu se reproduit. Alors qu'en fait, les individus ne reproduisent que leurs gènes, ils ne se reproduisent pas en tant qu'individu. On ne devrait jamais dire un individu s'est reproduit, on devrait dire un individu a reproduit ses gènes, ça serait beaucoup plus correct. Donc c'est cette force qui est liée à la sélection naturelle, donc à fabriquer des gènes progressivement, des gènes qui produisaient des individus de plus en plus aptes à les reproduire. Bien comprendre que la sélection naturelle, c'est pas simplement un tri, c'est un processus compliqué avec une procréation, donc des descendants qui ont une certaine diversité, un tri sélectif de ceux qui marchent le mieux dans l'environnement où ils sont, et puis une reproduction qui refabrique des variations, et ainsi de suite. Et c'est un long processus comme ça, répété sur de nombreuses générations qui constituent la sélection naturelle.
Mais les gènes, eux, pourquoi ils veulent se reproduire? C'est-à-dire que les gènes peuvent se reproduire, et ceux qui se reproduisent le mieux vont occuper tout l'espace et vont éliminer ceux qui se reproduisent le moins bien. Donc ça, c'est la sélection naturelle agissant sur les gènes. Et le résultat, à la fin, c'est qu'il n'y a plus que les gènes qui se reproduisent au mieux. Dans un monde fini où tout le monde est en compétition avec tout le monde, il n'y a pas de possibilité. Si certains se reproduisent mieux que d'autres, et ben ils vont éliminer ceux qui se reproduisent le moins bien. La reproduction, c'est en faire deux à partir de un, et le sexe, c'est faire un à partir de deux. Donc il n'y a pas tellement de raisons, au fond, pour dire que c'est lié. Il y a des organismes, comme les paramécies, par exemple, qui échangent des noyaux. Donc ils sont deux, ils se mettent ensemble, ils échangent des noyaux, et puis ils se reséparent. Il n'y a eu aucune reproduction, ils ont simplement brassé leurs informations génétiques. Donc ça, c'est du sexe qui ne se lie pas à de la reproduction. Même chose chez les bactéries qui absorbent de l'ADN, il n'y a pas de reproduction au moment où il y a des échanges génétiques. La reproduction se fait à certains moments et les échanges génétiques à d'autres. Dans des espèces dites supérieures, comme les mammifères ou les plantes supérieures, etc., là, les deux sont couplés, c'est-à-dire que c'est au moment où on fabrique des descendants qu'en même temps on en profite pour les faire à deux. Mais il n'y a pas une nécessité structurelle à ce que ce soit comme ça. Un individu comme nous, c'est mortel, et donc lui, il ne se reproduira pas, il ne survivra pas, et la seule chose qui restera de lui au cours du temps, c'est ses gènes. Ouais. Le gène, c'est une entité de nature informationnelle. Et ça, c'est embêtant parce qu'on ne sait pas bien ce que c'est que l'information. On sait ce que c'est que la matière, on sait mal ce que c'est que l'information, d'autant que l'information n'existe pas sans matière. Donc il y a toujours une espèce de confusion entre la matière qui porte l'information et l'information elle-même. Hein, si on se demande qu'est-ce que c'est qu'un roman, c'est rare que... Si je demande ça à quelqu'un, ça va être rare qu'il me réponde « c'est du papier avec de l'encre dessus », quoi. Bien qu'en général, ça se présente effectivement comme ça. Donc pour les gènes, c'est un peu la même chose. On a une information, une espèce de roman donc, écrit sur l'ADN. L'ADN n'en est que le support matériel. L'ADN, c'est le papier et l'encre. De transfert d'informations qui va depuis les premiers organismes vivants jusqu'à nous, en passant par des poissons, des reptiles, d'autres mammifères, etc. Mais c'est une chaîne d'information. C'est la seule chose qui puisse tenir. Si jamais on imaginait qu'il fallait qu'une molécule tienne tout ce temps-là, on n'aurait aucune chance. Donc évidemment qu'on a hérité aucune molécule de notre ancêtre poisson, mais on en a hérité l'information génétique, et la seule chose qui se transmet dans ce processus, c'est l'information, effectivement. La seule chose qui puisse donc être sélectionnée par la sélection naturelle, c'est l'information génétique.
when life was first getting going, replication was unfaithful and inaccurate, and mutations were very frequent. So there was no problem with variability. In fact, the problem was just the opposite: how to maintain integrity of the genetic information, not how to change it, because that was happening all the time early on in life. So, and so I think sex originated along with the origin of life as a way of maintaining the integrity of DNA, not as a way of changing it. But now with our understandings of DNA, we know that the damaged things are just parts of the DNA, and by recombining and getting rid of the damaged parts, you can rejuvenate the molecule again. We can imagine that we start with the same sequence message here. Two different kinds of damage occurring. We might imagine in the first sequence we get squiggle, where the E should be, S-S-A-G-E. And then in the second damaged word, we might have an intact E, and the mistake might be over here in the A. And we just do a funny character there, like that. So these two words are both damaged. They're both nothings in the quotation from Weissman. So how can these two nothings make one again? Well, it's quite simple. We just cut out the two damages, and leaving a blank here, S-S-A-G-E. And then down here we have the intact E in that region, but we have a blank in another region. And then because we have a system in place that can copy between words and it can communicate the information between words, we can copy this E and put it in there. And likewise, we can copy this A and put it in there. And so now we have two intact words identical to what we started with. And the word has become whole again, and two nothings can make one. It is in this way that everything mortal is preserved, not by remaining forever the same, which is the prerogative of divinity, but by undergoing a process in which the losses caused by age are repaired by new acquisitions of a similar kind. This device, Socrates, enables the mortal to partake of immortality, physically as well as in other ways. But the immortal enjoys immortality after another manner. So do not feel surprised that every creature naturally cherishes its own progeny. It is in order to secure immortality that each individual is haunted by this eager desire and love. So we can easily do a translation here into modern molecular biology. The losses caused by age are, of course, just damages. Repaired, we mean recombinational repair. New acquisitions of a similar kind is, of course, the communication between the two partners in sex. They're, of course, similar, members of the same species. Love is the force that leads for this union, that produces this union. And it's for the immortality of, in the case of molecular biology, in the case of biology, of the genes. And this is why we're haunted by love and sex and desire it so much. So that was Diotima in Plato's Symposium, instructing Socrates in the art of love. Ha ha ha!
Que beaucoup de gens ont, sans que jamais ça soit réellement enseigné, l'idée qu'au début, les individus se clonaient. Et un jour, il y a un génie qui a inventé le sexe, il s'est dit, je vais aller changer mes gènes avec le voisin, et ça a été une merveille au niveau de la nature, l'invention du sexe. Or, si on y réfléchit, c'est très très improbable qu'il y ait eu des trucs qui soient vraiment clonés sans échange dès le départ. Si on essaye d'imaginer ce qu'étaient les premières structures vivantes, moi j'ai beaucoup de mal à avoir une image clair de ce que ça pouvait être, mais les premières structures vivantes, quand elles se rencontraient, elles étaient sûrement pas étanches, donc elles devaient échanger sans qu'il y ait même de mécanisme fait pour ça. Donc le sexe devait se produire absolument spontanément dès le départ. Tout ça, ça a dû faire qu'il y avait un brassage génétique absolument généralisé sur l'ensemble de tout ce qui allait devenir le monde vivant actuel. Qui s'est passé après, ça a été une régularisation des échanges. C'est-à-dire que le sexe est devenu la manière par laquelle on choisit l'individu avec qui on échange des gènes, et non plus la manière d'échanger avec n'importe qui. Évidemment, dès qu'on commence à choisir son partenaire, apparaît ce qu'on appelle aujourd'hui une espèce. Parce que dès que deux individus ont pu se reconnaître pour dire on va échanger des gènes, on va pas échanger avec les autres, et bien ces deux individus faisaient partie d'une même espèce qui s'était isolée par rapport au reste du monde vivant, et donc au bout d'un moment, il n'y avait plus qu'un ensemble d'espèces dont chacune faisait du sexe à l'intérieur et plus avec les autres. Mais moi, je vois ces échanges-là comme un reste des échanges du départ et pas du tout comme une invention récente. Ouais. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Vous vous imaginez un ensemble de structures autoreproductives comme ça qui se reproduisent et puis qui évidemment se mélangent, ainsi de suite. Et à un moment ou à un autre, effectivement, il a dû se produire un certain isolement. Les individus ont inventé, se sont inventés eux-mêmes en quelque sorte, et la membrane est apparue. Si vous imaginez un monde avec des échanges absolument anarchiques au départ, et puis progressivement un choix du partenaire dans les échanges, vous voyez apparaître à la fois un sexe de plus en plus régulé et des espèces de plus en plus isolées. To have a group, to have a community, you need communication among the members of the community. And so to have a genetic community, in terms of a population of genes or a population of organisms, they need to communicate on the genetic level. We're used to communicating with words, but here we're speaking of communication on the level of information at the DNA level when there's no way of speaking. Well, the way of speaking is sex. Sex is a way of communicating, of exchanging information between the genes in one individual and the genes in another. And so it is what holds together the community or the species. Plus de populations sont différentes, moins elles échangent de gènes sous forme de pollen ou de graines. Et ce qu'on voudrait voir, c'est est-ce qu'on peut mettre en relation cette distance génétique ou cette ressemblance génétique avec la distance géographique des individus. 65 cm, donc ça colle assez bien avec ce bas de rocher. Ici, elle est là. Mmh. Là. Ça va chercher. Thank you.
C'est bon, 9,30 m. Je veux simplement les reposer sur une carte et puis essayer de distinguer des groupes. Well, if by sex we're going to mean the sex as we know it in higher organisms, the production of a gamete, that's to say an egg and a sperm, and the starting of a new individual by the fusion of two cells which each have a more or less equal contribution to make, so the new individual gets roughly anyway the same number of genes from its father and its mother and so on, that kind of sex. Let me say, first of all, it clearly was a jolly difficult thing to evolve because it only happened once. We're pretty sure of that. It's done in effectively the same way in animals, in plants, in fungi. They all have this process of meiosis and fusion of gametes. And they presumably got it from a single common ancestor, a single common single-celled ancestor. Now, to do that, it's really complicated because you're going to have the fusion of two cells, each with a complete set of genes. Well, if you just did that, you'd double the number of genes every generation, and that would soon lead to complete chaos. So the hard part is how you go from having two sets of genes to producing a gamete with only one set. Reproductive cells, called gametes, contain only half the full number of chromosomes. These cells are haploid. When a male gamete or sperm joins a female gamete or egg, the process is called fertilization. A fertilized egg called a zygote is produced. This new cell is diploid because it has homologous chromosomes. My guess about the origin of sex, proper sex, sex as we know it, is that initially it had nothing to do with actually fusing genetically different organisms. I think there was just some early beastie that spent part of its life as a haploid with one set of chromosomes, and part of its life as a diploid with two sets of chromosomes, because there was some advantage in being haploid or diploid. And it's easy to become diploid. You don't have to fuse with somebody. You just double the number of chromosomes and, you know, you're a diploid. But then, of course, you have to invent a sort of primitive sort of meiosis to get yourself back to being a haploid again. So I think it was just an organism which had no fusion, no sex, just had a haploid-diploid cycle. And then someone came along and thought, well, now, when I want to change from being a haploid to a diploid, it might be a good idea not just to double my own chromosomes, but to fuse with somebody else and become diploid that way. And I think that's probably the origin of sex. And I want you to imagine two possible situations you might find yourself in. This is meant to be a boat, and that's you. There are your arms. And here is an oar that you have to propel it with, and here's your partner, who also has an oar. And here's an alternative situation you might find yourself in. That's what we call a rowing boat, but it might be, here are you, and here's your partner. You might both have two oars, or sculls, as I called them, be in a double scull. And the question is, how much work are you going to do? Are you going to sweat your guts out rowing, or are you going to sort of sit back taking it pretty easily and let the other guy do it? Well, if you're in this situation, you can take it pretty easy, particularly, actually, if he can't see you, if you're a chap behind. You can just sort of keep time, but none of this hard pulling and so on. So here you're selfish. But if you're here, well, tough. I mean, if you don't do any work, the boat will just go around in circles. You'll never get anywhere. And assuming that it's important to you to get somewhere, you've no choice. You have to be an altruist. Or at least you have to be, let's say, a cooperator. I don't know about altruism. You just have to cooperate. In other words,
there are situations in which, even with a totally unrelated partner, it really pays you to behave in a cooperative way. Stages of life, there were just molecules which replicated, and then they were grouped together in inside cells, and then the cells were grouped together in organisms made of many cells, and at each of those levels there was a new level of selection: the molecule, the cell, the organism. The common kind of caricature of Darwinism is nature red in tooth and claw, this kind of competitive view. And this is very much, when I was a graduate student, the view that was offered when I studied evolution in graduate school. And the idea of cooperation was seen as relevant to certain groups of organisms, primates, humans, social insects, but it wasn't seen as generally relevant to life on Earth. And so it was seen to be kind of special interest, but not kind of as broadly applicable as competition was to evolution. And I think all that's changed now, with our interest in really how the basic units of evolution have been formed, these levels in the biological hierarchy, where they came from, and the cells in our body. Our body is made up of cells. It's just a group of cells among which there's a lot of cooperation. And so when you take that view, the major diversifying force in biology is really cooperation. Groups of lower level units form, and those units cooperate to form something bigger than themselves, to do something new and different. Dans certaines espèces, et puis certains lignages, et puis démarrer donc par mélange de deux cellules de même taille, auquel cas il n'y en a aucun des deux qui se fait avoir, hein, comme on trouve chez certaines algues et certains champignons, c'est ça qu'on appelle isogame. Chacun des deux parents fournit une cellule de la même taille que l'autre, et donc ça fabrique un œuf qui procède autant d'un parent que de l'autre. Il n'y en a aucun des deux qui ait parasité l'autre, aucun des deux qui se soit fait parasiter.
Et à ce moment-là, donc il y a isogamie, et dans ce cas-là d'ailleurs on parle de sexe, mais il n'y a pas de mâle et de femelle. Chez les champignons, on les appelle souvent, quand il y a deux sexes quand même, c'est-à-dire deux groupes d'individus qui ne peuvent pas se reproduire à l'intérieur d'un groupe, mais qui doivent trouver un membre de l'autre groupe pour se reproduire, on les appelle plus et moins, ou A et alpha. On leur donne des noms divers, mais jamais mâle et femelle, parce que mâle et femelle, c'est seulement quand il y a une grosse cellule et puis une petite cellule qui se réunissent. But let's think of it like this. Here is a female. And she's going to produce... Well, at the moment, she's not a female. She's just a plus. And here's a minus. Okay. And let's suppose that when they produce gametes, what they mostly do is to produce quite a lot of little gametes. Five, let's say. But this one decides, I mean, a gene causes it to, it changes in evolution, to waste, not to produce five, but to produce only one five times as big. Okay. If that were to happen, we'd stop calling them plus and minus, and we call these females and those males. But why should she produce only one when she could produce five? Well, there's only one reason that I can think of where she might wish to do that, and that would be that most of these die. And only rather few of them survive. Whereas this one, which starts with much more food reserves and much, you know, better able, survives. In other words, it entirely depends on the relative probability of the one big one or the five little ones surviving. And there has to be a big advantage in producing the one big one to make it worth her while. But I guess that it quite often is, because this kind of anisogamy, as we call it, difference between big and small gametes, has evolved not just once, but a number of times. Donc on est parti de l'isogamie, puis on est passé à l'anisogamie. On a au moins un petit exemple de ça. C'est chez des trucs un peu comme les paramécides, les ciliés. Donc les paramécides, donc c'est des organismes qui se collent l'un à l'autre, conjuguent, et donc échangent chacun un noyau, quoi. Et puis ils repartent chacun de leur côté. Donc là aussi, il y a une espèce d'isogamie, personne ne s'est fait avoir. Alors on a trouvé un cilié qui fait un truc très rigolo. Il fait une division cellulaire très asymétrique. Et donc de là sort, d'une part, une cellule de taille normale, et puis d'autre part, une toute petite cellule. Et cette toute petite cellule va conjuguer avec une grosse cellule. Donc ils échangent leur noyau, et après la petite cellule est tellement petite, elle ne peut rien faire, elle dégénère. Donc là, il y a une espèce de proto-mâle. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont bien échangé des gènes, mais la cellule qui a fabriqué la toute petite, elle a en quelque sorte triché, elle a trompé l'autre,
puisqu'elle lui a prétendu qu'elle échangeait ses gènes avec l'autre, alors qu'en fait elle lui a donné ses gènes, mais les gènes de l'autre, elle ne les a pas pris. Femelle, 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 mâle, femelle, 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 mort, femelle, femelle, mâle, femelle, femelle. There are two kinds of advantages that people have suggested for sex. Really, I think it boils down to two main advantages. One is the idea that a population that has sex will evolve faster than a population that does not have sex, because favorable mutations can be combined. Mutations that occur in different individuals, favorable mutations, can come to be combined in a single descendant if you have sex, whereas without sex you can't do that. Le schéma assez abstrait, enfin, il y a un axe horizontal qui est le temps, et puis en vertical, en fait, il y a un ensemble de bestioles, quoi. Et alors, si on admet que ces bestioles sont asexuées, donc elles se reproduisent, et puis chaque bestiole fait des descendants comme ça, et donc il y a les différentes générations qui sont là, et on peut imaginer qu'apparaisse ici une mutation qui est une bonne mutation. Donc la sélection va favoriser cette mutation et elle va se répandre dans la population. Et donc toute la population, au bout d'un certain temps, aura cette mutation. Alors imaginons que l'espèce soit asexuée et qu'il apparaisse une deuxième mutation, bonne aussi, B, ici. Eh bien, cette mutation, comme elle est bonne, elle va commencer à se répandre, mais le malheur pour elle, c'est que, étant donné que l'espèce est asexuée, les individus qui portent la mutation A et ceux qui portent la mutation B peuvent jamais se croiser. Et donc on va jamais fabriquer des individus qui aient à la fois A et B par ce processus. Et donc si la forme A doit envahir, et bien la forme B doit disparaître. Alors dans une population sexuée, A peut envahir comme ça, et puis B peut envahir aussi comme ça, et puis C aussi, puisque les individus en se croisant vont fabriquer très rapidement des individus AB et puis des individus ABC. Donc en fait, en très peu de temps, on aura fabriqué une espèce qui aura accumulé toutes les bonnes mutations, alors que là, il aurait fallu très longtemps pour la même chose. The other kind of advantage that people think of is getting rid of bad mutations. It's what I call the engine and gearbox model. You have two motor cars, one of whose engine's broken down and the other one hasn't got a gearbox. And out of it, you can make one functional motor car. The trouble with that, it's true, and the idea is that sex enables you to get rid of bad mutations. The trouble with the argument, of course, is that you can also make a motor car with no gearbox and no engine. It turns out when you do the formal analysis, sex really does help. I don't think there's any real difficulty at the population level. The difficulty always is, but what about the individual? Le merle, c'est une espèce dimorphique sexuellement, ce qui signifie que le mâle est différent de la femelle. Le mâle, c'est un oiseau qui a le plumage très noir, un noir profond, et qui a le bec et le tour d'œil qui est coloré en jaune ou orange, enfin... La couleur du bec et du tour d'œil peut varier du jaune à l'orange. Voilà. La femelle, quant à elle, est beaucoup plus brune. Elle a le plumage un peu tacheté,
La poitrine qui peut être parfois un peu rousse. Et le bec, lui, est brun ocre, ainsi que le tour d'œil. Le bec 646. On a pu montrer que les femelles de conditions corporelles plus élevées s'appariaient préférentiellement avec des mâles à bec plus orangé. Indice, je suis entre 10 et 11, donc numéro 11. Donc vous savez que, en général, c'est les femelles d'ailleurs qui choisissent leur partenaire. Et souvent, elles choisissent sur des caractères qui paraissent extraordinaires, de coloration vive, plumage extraordinaire chez les oiseaux, etc. etc. Ah, vous savez que les femelles choisissent d'une façon complètement débile leur partenaire sexuel, vous êtes au courant de ça? Tu voulais demander quelque chose? Je voulais savoir, il n'y a jamais de sélection dans l'autre sens? Bah si, forcément. Attends, qu'est-ce que ça s'appelle dans l'autre sens? Les mâles, ils choisissent jamais la femelle avec qui ça couple? Non, tu es n'importe laquelle, c'est pas très grave. Si jamais c'est pas la bonne, ils auront l'autre après. Attends, c'est vrai dans les espèces polygames, effectivement. Plus l'espèce est monogame, plus le mâle va choisir la femelle. Mais alors évidemment, ce qui est un peu gênant dans cette histoire-là, c'est qu'en choisissant des individus qui ont des caractères comme ça surdéveloppés qui vont les gêner, en même temps, ça diminue leur valeur sélective, du coup. Alors ça fait partie d'une autre hypothèse adaptative qui a été sortie par un Israélien qui s'appelle Zahavi, puis modélisée ensuite par les Anglais. C'est ce qu'on appelle le modèle du handicap. L'idée, c'est qu'une manière de choisir un mâle qui ait des bons gènes, c'est d'en prendre un qui s'est foutu de tels attributs sur la tête qu'il a vraiment toutes les chances de se faire bouffer. Et s'il est quand même survivant, c'est qu'il doit quand même avoir des sacrés bons gènes, vous voyez. Perhaps I should first of all just say a word about the cost of sex, because, if only because it's possibly my only real contribution to the subject. And it's terribly obvious, but people don't seem to have realized it until 20 years ago or so. The real paradox can be shown very simply. Biologists draw females as Venus and males as Mars, and there's a male and a female, and on average, in a constant population, they are going to produce an average of one son and one daughter who survive. So, I mean, some will produce more and some less, but that's the average. Imagine a female whom we'll call P, because she's a parthenogen, she doesn't need a male, she can produce children without, and she produces children like herself. And in one generation, the ratio, and she'll produce two children, why shouldn't she? In one generation, we've gone from a ratio of one female parthenogenetic to one female sexual to two females parthenogenetic to one sexual. In other words, in most species, there is this paradox that a gene changing a sexual female into a parthenogen will double in frequency, and that's very rapid, wasting material on sons. Okay. Total waste of material. The problem for those of us who are trying to explain sex is to try to think of some twofold advantage in the other direction which might favour sex. And a factor of two is a lot. And that, I think, has been what's hanging us up. If we were just asking for a tiny advantage, we wouldn't have any big problem. But looking for a factor of two is not easy.
Toutes ses recherches sur le sexe et la mort ont été extraordinairement influencées par le combat contre la vision panglossienne de l'évolution. Pangloss, c'était un philosophe inventé par Voltaire dans le conte Candide, pour se moquer de Leibniz. Et Pangloss, il y a un très joli texte, Principe de Pangloss, où on explique que Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie et qui prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause, et que dans ce meilleur, dans l'ensemble des mondes possibles, eh bien le monde dans lequel on était le meilleur des mondes possibles. Et après, il donnait des exemples du style « les nez ont été formés pour porter des lunettes, aussi portons-nous des lunettes ». C'est l'exemple d'une vision béate de la nature, totalement dédiée à l'homme. La recherche de l'attitude panglossienne, eh bien, on l'a retrouvée dans plusieurs choses. On l'a retrouvée d'abord dans l'évolution du sexe. Quand tout biologiste qui commence ses études de biologie, on lui apprend qu'il y a deux manières de se reproduire, la manière asexuée et la mitose, et puis une manière sexuée qui est la méiose et la fécondation. Et l'étudiant doit mettre dans sa copie, quand il est interrogé là-dessus ou à l'oral, que la mitose, ça fait le truc toujours pareil et que c'est pas très intéressant, et que la méiose, ça fait de la diversité et que ça, c'est bien. Ça va faire, c'est bien, parce que c'est la diversité, c'est bien. Et une fois qu'il a dit ça, on estime qu'il a compris pourquoi il y a de la méiose, pourquoi il y a du sexe. Parce que ça fait de la diversité. Et ça, c'est tout à fait panglossien. Parce que il suffit pas de dire que c'est bien. Il fallait montrer que c'était sélectionné par la sélection naturelle. Et c'est de là que sont parties toutes les recherches qui aboutissent aux controverses actuelles. Dans presque toutes les espèces, les mâles contribuent pas du tout à la fabrication du petit, à part leurs gènes qu'ils ont mis dedans. En revanche, il y a des espèces où les mâles sont un peu actifs pour aider les enfants. Il y a aussi des espèces où ils sont très nocifs. Il y a peut-être des espèces où les enfants ont intérêt à jamais rencontrer leur père, sinon ils les bouffent. Hein. La règle, c'est que le mâle contribue en rien à la fabrication du petit. Et donc, c'est ça qu'on appelle un mâle. C'est celui qui fait rien. Alors, moi, je te fais le coup de la méiose. C'est comme ça, voilà. Une femelle est un individu incompréhensible. Ça, c'est la façon dont Williams présente les choses, hein. Parce que c'est un individu qui fabrique une grosse cellule dans laquelle il met plein de nourriture, de choses bonnes à manger, etc. Donc ça, c'est l'œuf, au sens strict, la cellule. Enfin, ça sera l'œuf, ça deviendra un ovule puis un œuf. Hein. Souvent, il met autour encore le truc à bouffer. Ça, c'est le jaune d'œuf et le blanc d'œuf pour un œuf au sens culinaire du terme. Et puis même dans les espèces comme la nôtre, la femelle garde les petits à l'intérieur d'elle, elle va encore le nourrir pendant qu'il grossit. Et puis même dans les espèces, dans les mammifères, non seulement elle le garde, mais elle a fabriqué des glandes qui fabriquent du lait pour le nourrir encore après la naissance. Donc la femelle fait un effort énorme pour produire le descendant. Hein. Et comment elle fait ça? Au début, donc elle a fabriqué une grosse cellule dans laquelle il y a beaucoup de réserves, et elle a ses deux génomes à elle qui sont dedans. Et elle va faire une méiose. Et la méiose, ça consiste en gros, hein, pour simplifier la vie, à partir d'une cellule comme ça, et à jeter la moitié des chromosomes à la poubelle. Hein. La poubelle, elle s'appelle un globule polaire. C'est pas important, c'est une petite cellule qui dégénère. Donc la femelle jette la moitié de ses gènes. Et tout ça, pourquoi? Pour que... Tiens, pas combien de couleurs, hein, celle-là. Pour que cette partie des gènes qu'elle a achetée soit remplacée par la même chose, mais qui viennent d'un spermatozoïde. Donc, les gènes de la femelle déterminent eux-mêmes le fait de se faire jeter à la poubelle, parce que quand même, le comportement de faire une méiose, même chez les humains, il est génétiquement déterminé, c'est pas culturel. Donc, les gènes déterminent eux-mêmes le fait d'avoir une chance sur deux de se faire foutre à la poubelle, plutôt que de rester dans l'individu qui va être produit. Et donc, ça veut dire que, en termes de reproduction des gènes, la méiose a un coût de deux. Un gène qui ne ferait pas ça et qui resterait là et qui dirait au mâle d'aller se faire voir ailleurs, eh bien, il se reproduirait deux fois plus qu'un gène qui ne ferait pas ça. Voilà la situation. L'individu qui fabrique tout pour faire le petit, c'est la femelle. Vous voyez que dans cette vision des choses, les mâles apparaissent purement et simplement comme des parasites des femelles, finalement. Là, on l'a vu l'autre jour. Vous le saviez déjà ?
Mais ce qui est incroyable. Oui, mais c'est les gènes qui sont parasites. Ah, attendez, quand un virus de la grippe vous infecte. Elle est gentille. Mais quand un virus de la grippe vous infecte, qu'est-ce qu'il fait? Il met son ADN dans vos cellules et il se débrouille pour que ça soit vous qui lui reproduisiez. Ça vous rend un petit peu malade, tout ça. Et vous dites que vous vous êtes fait parasiter par ce virus. Là, vous voyez que c'est la même chose, hein. Le mâle, il vient mettre ses gènes pour que vous lui reproduisiez et lui, il fait rien. Oui, mais je vais reproduire ses gènes. Oui. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les femelles le font exprès. C'est vrai que la différence avec la grippe, c'est qu'on ne pense pas qu'il y ait des comportements qui soient faits exprès pour attraper le virus de la grippe. Alors que là, il y a un comportement de la femelle exprès pour aller chercher les gènes du mâle. Et ça, c'est ça que William trouve incroyable. Et c'est tout le problème que pose le maintien du sexe. Comment peut-on comprendre que les femelles soient des êtres qui font exprès de se faire parasiter par les mâles, alors qu'elles pourraient très bien se passer du mâle pour faire des descendants sur le plan énergétique, etc. Moi, personnellement, c'est à partir du fait que je ne pouvais pas comprendre le sexe sans chercher l'intérêt pour le gène que je suis vraiment arrivé à comprendre que c'était les gènes qui étaient sélectionnés et pas les individus. Et ça, je le dois tout à fait à John Maynard Smith. Et ce qui est drôle, c'est que quand je fais des cours, je sais bien qu'au moment où j'en arrive là et où j'explique que les individus sont des artifices inventés par les gènes pour se reproduire, y a des étudiants que ça révulse totalement et qui ne veulent pas l'entendre parler, il y en a d'autres qui trouvent ça super et qui trouvent qu'enfin ils comprennent tout ce qu'ils ont fait en biologie jusque-là. Il y en a d'autres qui viennent me demander à la fin du cours si je cherche à les pousser à se suicider. Donc je sais bien que c'est quelque chose qui touche, effectivement, quand on comprend ça, on a compris quelque chose qu'on n'avait pas compris avant, il n'y a pas de doute. Mais... I do think that the most complex organisms today are more complex than the most complex organisms 500 million years ago, and they were more complex than the organisms 1,000 million years ago, and so on. On a very broad term, the most complex organisms in the ecosystem get more complicated with time, and that is a sort of unidirectional change of some sort. I don't know whether you want to call it progress. I mean, why should complexity be equated with progress? And I think the only reason for it is that we, so to speak, had to start simple, and there was nowhere to go but up. I mean, I don't think the notion of progress has much role to play in evolutionary biology, to be honest. Au début du 19e, on en était encore à une vision où le créateur, dans son infinie bonté, avait fabriqué un monde relativement optimisé, disons. L'inné au XVIIIe siècle, déjà avait quand même quelques inquiétudes par rapport à ça. Hein. Il disait, il a écrit des passages où il dit bon, le monde est harmonieux, tout ça, mais enfin, il faut quand même voir que cette harmonie, on la paye cher en termes de. Il faut tout le temps que les espèces se bouffent les unes les autres. Mais enfin, il y avait quand même une idée d'harmonie. Et puis, avec la sélection naturelle,
Darwin a beau terminer son bouquin en parlant d'une espèce d'harmonie fabriquée par la sélection naturelle, la nature n'est plus quand même que le théâtre d'une lutte assez sauvage entre les individus dans l'espèce et entre les espèces. Mais il restait quelque chose qui était optimisé, c'était l'individu. Actually, what it's all about is competing with other plants. The real function of leaves is to shade out other plants, not to photosynthesize. And their organs of competition, they're like teeth or claws or things, they're not nice little photosynthetic organs. And I think botanists were rather upset to be told this, but I'm sure it's true. And you grow a trunk because you want to get to the light before the other guys. I mean, if there weren't any other trees in the world, you wouldn't have a trunk, you'd just grow flat on the ground, you'd be much better off. On en est arrivé maintenant à un point où même l'individu n'est plus quelque chose d'harmonieux, mais lui-même le théâtre de conflit entre ses informations génétiques. Et ça, c'est sûr qu'il y a une perte de la vision harmonieuse de la nature dans ce système-là, qui est au contraire le renforcement de cette idée de bricolage de Jacob, qui est très fort. Je pense que plus ça va, plus on voit le monde vivant comme un truc vraiment bricolé. Et bricolé dans une situation conflictuelle, donc vraiment pas le genre de chose qui peut conduire à l'harmonie générale. Donc un être vivant, en gros, c'est un truc qui va naître ou être conçu, à conception, naissance, bon, qui va se développer et puis arriver à l'âge adulte. À l'âge adulte, il va commencer à pouvoir se reproduire. Et puis après, alors selon les cas, hein, mais il peut continuer à vivre et puis recommencer à se reproduire de temps en temps comme ça. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un phénomène qui s'appelle la sénescence, qui est qu'à partir de l'âge de la première reproduction, on voit décroître les capacités de l'individu. Ça s'appelle la sénescence. Et alors la chose extraordinaire, c'est que cette sénescence,
est manifestement due à des gènes. Donc en fait, il y a des gènes qui ont manifestement pour effet de rendre les gens, de faire que les gens vieillissent et meurent. Et ça, c'est quand même une surprise, parce que si les gènes étaient malins, ils ont fabriqué ces beaux avatars que nous sommes pour les reproduire, et ils auraient bien pu nous garder en bonne santé de manière à continuer à les reproduire longtemps. Pourquoi ils n'ont pas fait ça ? It pays to be efficient when young, and if it, the long-term result is that you die of old age, tough. Same way, we don't bother to replace our teeth after we're about, you know, after we're children, and that means sooner or later they'll all fall out, and then if it wasn't for false teeth and so on, we'd die. But it's not worth our while retaining something that will keep us longer, because we're going to die of accidents anyway. And if it saves, if it makes you fitter when you're young, don't bother about what's going to happen to you when you're old, I'm afraid. Not something that as an 80-year-old I like saying, but I'm afraid it's true. Imaginons un gène, par exemple, qui fasse que pour que le jeune puisse croître rapidement et efficacement, eh bien ce gène augmente un petit peu le transfert d'acide gras, machin chouette, dans son sang. Du coup, le jeune va recevoir plus de nutriments dans ses muscles, ses os, il va grandir plus vite, il va être plus fort, plus actif, je sais pas quoi. Mais ces acides gras vont finir par bousiller son système circulatoire, et à l'âge de 70 ans, il a de fortes chances d'attraper une maladie cardiovasculaire. Et bien, un gène comme ça, c'est un gène qui va être assez facilement sélectionné par la sélection naturelle. Donc c'est un gène qui va favoriser le fait de faire des jeunes vigoureux au détriment de la survie après. Donc quand un gène agit en positif avant la reproduction et en négatif après, il a de bonnes chances d'être sélectionné. Individuals pass away, while life maintains the appearance of immortality. I think the important point to make here is to be clear that the fact that something is natural in the sense that it exists in the living world, either in humans or in other animals, but particularly the fact that it exists in other animals, does not make it right or desirable. Il y a des gens qui pensent que quand on leur dit pourquoi ils sont là, on leur a dit ce qu'ils devaient faire. Hein, par exemple, quand je dis pourquoi on est là pour reproduire nos gènes, moi, personnellement, j'ai décidé de ne pas reproduire mes gènes, et donc, pour moi, la nature peut m'expliquer pourquoi je suis là, mais elle ne me dit pas ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que c'est un pourquoi causal expliquant pourquoi je suis là, ce n'est pas un pourquoi en termes de sens de ma vie. Thank you.